Alors, vous me demandez toujours comment faire pour avoir de l'inspiration. Vous savez comment faire pour avoir de l'inspiration? Je vous donne le truc infaillible. Comme ça. Inspirez. Inspirez et expirez. Restez dans votre corps. Aérez votre esprit. Revenez à qui vous êtes. Qui vous êtes se trouve là, ici et maintenant. Pas hier, pas demain, pas comme le voisin. Inspirez. Votre corps est votre premier instrument de musique. L'inspiration dégage votre esprit de tous les jugements qui viennent manger votre tête. Alors, pratiquez régulièrement. Par exemple, tous les exercices de respiration que je vous donne sur cette chaîne, il y a au moins 200 exercices. Donc, faites la respiration cardiaque, par exemple. Inspire 5 secondes, expire 5 secondes et apprenez à vous connaître vous. Connais-toi toi-même, c'est vraiment le secret ultime pour devenir l'artiste que vous êtes. Tous ceux qui passent à côté du développement personnel, enfin de l'épanouissement individuel plutôt, eh ben, ils ont du mal, hein. Ils cherchent toujours, ils regardent toujours les autres et ils ont peur d'être jugés. Si vous avez peur d'être jugés, les rois et les reines, c'est sans doute parce que vous vous jugez vous-même. Soyez doux avec vous. On fait plein d'erreurs. Tout le monde fait plein d'erreurs. Donc, je vais vous donner un exercice. La prochaine fois que vous allez à un concert, maintenant que les frontières sont presque ouvertes et qu'on a enfin le droit d'aller voir des concerts, soyez à vous seul le fan club de l'artiste qui passe. Écoutez ce qu'il y a de beau dans ce qu'il fait. Observez ce qu'il y a de beau. Peut-être que vous allez juste trouver que sa coiffure est sympa. Mais c'est mieux que de vous dire « Ah oui, non mais attends, c'est trop nul, comment il chante faux, j'aime pas son texte. » On ne peut pas plaire à tout le monde à tout point de vue. Mais vous, vous développez votre capacité à créer du beau en le remarquant. La beauté est toujours dans l'œil de celui qui regarde. Donc, soyez le fan club de tous les artistes que vous écoutez, s'il vous plaît. Soyez le fan club de tous les gens avec qui vous avez une conversation. Traquez le beau, poétisez la vie et partagez avec bienveillance ce que vous trouvez beau chez les autres. Mettez-moi un petit commentaire, par exemple, pour me dire comment vous trouvez mes vidéos. À bientôt, les rois et les reines. Je vous envoie une tonne d'amour. Vous calégrafe, vous calégrafe, vous calégrafe.